Attention à mon tour. Quelle a été la plus belle arnaque de ta vie, en dehors de ta carrière? Serais-tu un bon avocat, selon toi? Ouais, je pense que je serais un excellent avocat. Pourquoi? J'adorerais faire de longues plaidoiries, et je serais assez malhonnête que pour être un avocat véreux, mais juste ce qu'il faut pour que ça ne se voit pas trop. Quel usage fais-tu du mensonge dans la vie? Je ne pense pas qu'il faille dire la vérité sans cesse. Donc je fais un usage modéré, mais juste, du mensonge. Moi, j'en fais un usage immodéré. Et on ment au minimum 7 fois par jour en tant qu'adulte. Et donc, je pense que je suis au-dessus de la moyenne. Je vais faire un peu de psychologie de bazar. Est-ce que tu penses que faire l'acteur, c'est mentir un petit peu? Non, justement, je pense que faire l'acteur, c'est l'inverse du mensonge. Dans les personnages, tu te livres plus en intimité et tu donnes plus de ce qui fait les profondeurs de ton être dans un rôle que dans la vie, je pense. Quel est ton anti-héros préféré? Avant, je t'aurais dit le pingouin. Non, Batman. Ah, le pingouin. Oh. Je l'aime beaucoup. Grosso merdo, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les salaud. Prends beaucoup d'affection pour les méchants jusqu'à ce qu'ils commencent à perdre. Peux-tu m'en dire... Oh, il y a ça. M'en dire un peu plus sur Podium 2. Je peux pas en parler, ils sont en correction de scénario. Ça s'appelle quand même La Vengeance de Couscous. C'est vrai? Ouais. Ah, je peux pas le dire normalement, mais enfin bon, allez, c'est un petit scoop. Un petit teaser.